Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. C'est vrai que j'étais à ce moment-là de moi très 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 difficile, d'un désert. Dans le désert, des déserts, c'était vraiment difficile pour moi. C'est vrai que toutes les femmes n'aspiraient pas à voir un homme qui traversait ces moments difficiles, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, elle m'a accepté ces premiers temps. Et encore, de toute façon, elle et moi, nos aspects d'elle, les aspects désertiques, bien entendu. Bon, nous devions nous souvenir et puis sortir de ce moment-là. Alors, elle est partie, elle est allée avec quelqu'un d'autre. Cela m'a déchiré le cœur. Cela m'a profondément déchiré le cœur. Cela m'a déchiré le cœur. Profondément déchiré le cœur, mais le Seigneur m'a dit que, comme il me l'a dit, elle va revenir. Alors, dans ma solitude, dans mon gourmet, comme dit les Ivoiriens, j'étais dedans, la sœur est partie pendant plusieurs mois, et comme le Seigneur l'a dit, la sœur est revenue. Alors, nous continuons de cheminer ensemble, de prier ensemble, d'avoir de grands projets ensemble. Elle également est appelée dans le ministère, moi aussi. Alors nous regardions notre ministère, mais c'est vrai que nous vivions des moments assez difficiles. Et j'ai fait en tout 10 ans avec la sœur. Parce que, un an après, la sœur va pouvoir repartir. En ce moment-là, maintenant, son aspect va vraiment va changer. La sœur va reprendre, la sœur va ressortir. Elle va commencer vraiment, avec sa différence avec moi sera vraiment très claire. Elle va commencer à ressembler aux filles du cocotier maintenant. Non, la sœur avait eu un certain niveau où ce qui m'a déclenché les choses, c'est que la sœur va commencer à travailler. Elle va travailler même au plateau, vous voyez. Et donc, elle était une allure de personnes qui travaillent au plateau. Et entre midi et deux, elle priait dans une église du plateau. Vous voyez, elle allait dans une autre dimension. Alors moi, j'étais toujours cet homme spirituel qui attendait la voix de Dieu et m'engageait, n'est-ce pas, aveuglement, lorsque j'ai la conviction que Dieu a parlé. Et alors, la sœur va être dans cette communauté-là, là-bas au plateau, et elle va s'attacher à la vie d'un prophète. Voilà, elle va s'attacher à un prophète, et la sœur va me quitter encore de nouveau, et la sœur va se fiancer en effet le prophète. Alors, elle va me quitter, et mon cœur sera encore déchiré. Mais le Seigneur qui est en haut, il va encore revenir vers moi. Je ne dis pas qu'il me va laisser pour me reparler et me dire, attends, elle va revenir. Je dis, ok, moi je suis une personne qui écoute le Seigneur et qui voudrait faire vraiment la volonté de Dieu, et Dieu même le sait. Et je suis prêt à payer tous les prix. Et je ne voudrais pas entrer dans les détails pour ne pas exposer la vie d'autrui, mais je sais que j'ai fait de grands sacrifices jusqu'à mépriser même ma vie, à mettre ma vie en danger même pour elle. Alors j'ai attendu, mais cette fois-ci j'ai attendu 6 mois, j'ai attendu 1 an, j'ai attendu jusqu'à 2 ans. Je ne voulais plus, mais j'aimais Dieu et je me suis dit que Dieu a dit. Et j'ai attendu. Et la deuxième année où elle est partie, la sœur va revenir. Mais en temps, j'ai toujours continué à la regarder. En fait, la raison pour laquelle je suis resté, Dieu m'a dit de la regarder comme lui regarde l'Église. C'est-à-dire, moi, je suis lui et lui de l'Église. Mais en fait, c'est après que j'ai compris que dans ça, il y avait un piège. Depuis le commencement, moi, dans mon appel, Dieu m'a dit, c'est une chose peut-être,
mais c'est comme il me suis mis dans un piège que je regrettais, mais bon, je suis déjà engagé dans ça. Vous voyez? Lorsque la soeur était partie, à un moment donné, je priais toujours pour le pays parce que la colère de Dieu était grande pour le pays et nous voyons ce qui arrivait, etc., les morts. En tant que pasteur, je voulais que les choses s'arrêtent et que les pasteurs ne veulent pas qu'il y ait les morts, qu'il y ait les crimes, qu'il y ait le sang versé, etc., qu'il y ait des marabouts, des gens qui adorent des fétiches, qui font des sacrifices, etc. Nous avons vu toutes ces choses-là. Alors nous prions pour que Dieu sauve nos nations de tous. Nous apprenions qu'il y avait des sacrifices humains qui étaient faits. Il y avait vraiment beaucoup d'abominations qui étaient faites. Alors en tant que serviteur de Dieu, nous prions pour que Dieu nous libère de toutes ces atrocités-là. Et à un moment donné, Dieu a mis à mon cœur d'aller jeûner pour, n'est-ce pas, pour l'église, ce que je faisais régulièrement. Alors je suis allé jeûner, dormir à l'église et jeûner pour mon pays. Dieu m'a dit à mes membres de jeûner plutôt pour mon pays, pour que le pays soit délivré. Alors je me suis mis dans ce jeûne-là pendant 3 jours de jeûne, n'est-ce pas, je me suis mis à prier pour ma nation, pour que Dieu libère ma nation et que la paix arrive et que la réconciliation soit et que les âmes se taisent et que le sang des innocents continue de couler sur cette terre-là et que Dieu lave cette terre-là et que Dieu console les cœurs et que Dieu agisse afin que la guerre s'arrête, afin que la crise que nous avons connue puisse arrêter. Alors j'étais en train de jeûner et je crois le troisième jour, je dormais à l'église, tout ce temps-là, je dormais à l'église, c'était un jeûne sec que j'avais fait. Et la sœur, en ce moment, elle était déjà partie, elle était dans les bras de son nouveau chéri, de son nouveau fiancé. Alors, et moi, je priais pour l'église, et moi, je me suis assoupi, et c'est comme je dormais, et l'image de la sœur, vraiment, ça dit, depuis qu'elle est partie pendant 2 ans, mon cœur était déchiré. Et mon cœur était déchiré au même titre que l'Église, et au même titre que mon cœur était déchiré pour la nation, que je ne comprenais plus, j'étais dans une confusion. Alors, je jeûnais pour la nation, et à un moment donné, quand je me suis assoupi, le Seigneur, selon le sentiment, n'est-ce pas, le sentiment goumétique, vous voyez, le sentiment de cette déchirure avec l'amour de la sœur, ce chagrin a commencé à me dévorer, ce chagrin m'a toujours dévoré. Et ce chagrin me dévorait tellement que j'avais l'impression qu'il n'était pas naturel, il n'était pas tellement qu'il était profond, j'avais l'impression que Dieu mettait son doigt encore sur cette blessure-là, ce chagrin-là. Et alors, ce chagrin est revenu, est monté à moi cette nuit-là, et j'ai recommencé à voir l'histoire d'avec la sœur. Je recommençais à voir l'histoire d'avec la sœur. Comment je l'ai trouvée ce jour-là? Comment je l'ai rencontrée? Là où elle était, avec ses enfants, dans cette situation-là. Comment je l'ai approchée? Comment je l'ai lavée? J'ai payé des savons, parfums. Je dis, bon, ça là, tu ne portes plus. Ça là, ça ressemble trop à la pauvreté, à vie de veuvage, et à vie délavée. Tout ça, vraiment, j'ai fait la sélection et je l'ai mis, je l'ai aidé, je l'ai écouté, je lui ai parlé de voir la vie, on a duré ensemble, j'ai parlé de beaucoup de choses et ma relation avec elle lui a donné la vie, lui a donné de l'espoir, elle ne pensait plus, n'est-ce pas, à voir quelqu'un pour l'aider dans sa vie encore, alors j'étais là, toujours là, lui apportant, n'est-ce pas, mon soutien. Et devant moi, devant les gens m'ont témoigné, ça a bien commencé à, n'est-ce pas, devenir, à s'épanouir. Et elle a commencé à s'épanouir. Son cœur a commencé à s'épanouir. La chère avait un ministère dans lequel elle était plein de capitaine, mais je l'ai boosté. Elle est entrée dans le ministère, en plein dans le ministère. La sœur m'a quitté, elle est partie. Et ça me faisait tellement mal, je souffrais tellement de ça. Je me suis levé et j'ai dit, j'ai commencé à compter ces choses que j'ai faites pour elle. J'ai dit, Seigneur, je fais ça pour elle. Et j'entends dans mon cœur cette nuit-là, j'entends dans mon cœur, moi qui jeûnais pour le pays, n'est-ce pas? Je jeûnais, pourquoi je jeûnais? Enfin, le Seigneur m'a dit que
qu'il allait, il allait partir de nos nations. C'est-à-dire que l'alliance de Saint m'a dit que je parle de tout ça, que nous avons brisé son alliance. Donc il était sur le point de partir. Alors moi j'ai prié un moment de jeûne pour que le Seigneur n'abandonne pas le pays, pour que le Seigneur reste toujours le pays, pour que le Seigneur accomplisse toujours des promesses dans le pays. Le Seigneur me disait que les gens sont en train de prendre le contrôle, les gens spirituels de l'autre côté, le diable en train de prendre le contrôle. Des sacrifices sont en train d'être faits pour que lui, Dieu, il puisse partir. J'expliquerai ça dans les détails, dans d'autres, n'est-ce pas, prédications, avec les versets bibliques, avec le peuple de Dieu, et vous allez voir que tout ce que nous avons vécu, Israël a vécu la même chose. Alors, le Seigneur montrait, n'est-ce pas, les sacrifices que les autres faisaient. Et nous, en ce moment-là, en ce moment où je parlais là, c'est en ce moment que la prospérité, l'évangile de la prospérité, souvenez-vous, c'est un moment, peut-être vous, pour ceux qui ont vécu un certain nombre de choses, vous repérez par un certain nombre d'événements que je vais citer. Vous avez vu l'événement de Béhanzin, où Béhanzin est venu, n'est-ce pas, exposer un certain nombre de serviteurs de Dieu. Tu ne dis pas que Béhanzin, n'est-ce pas, était envoyé de Dieu. Mais en réalité, c'était une histoire spirituelle qui se passait. Il y avait une réalité spirituelle qui se passait. Ce que Béhanzin dit était, et disait était une réalité, mais les gens que Béhanzin citait n'étaient pas vrais. Je dis, je ne soutiens pas Béhanzin. Ce que Béhanzin disait était une réalité. Ce que Béhanzin disait était dans cette période, c'était la même période que les gens allaient à la télévision, dans la guerre dans laquelle nous étions, les gens allaient à la télévision pour montrer le coup, n'est-ce pas, de leur montre, leur veste, leurs chaussures. Nous étions en pleine guerre et moi, Dieu me disait que l'Église, n'est-ce pas, est responsable. Et nous voyons les responsables de l'Église prêcher l'amour de l'argent, prêcher la prospérité. C'est à ce moment que l'évangile de la prospérité même a commencé à sortir. À ce moment où il y avait, n'est-ce pas, où notre pays va commencer à connaître ce qu'on va appeler le coup de feu, où nous n'avons plus la capacité à un Seigneur d'être dehors. Mais c'est à ce moment-là que les pasteurs prêchaient la prospérité, que dans les lieux où ils étaient confinés, n'est-ce pas, ils avaient commencé à prêcher, n'est-ce pas, la prospérité. Or, la prospérité est une déviation de l'Église. La prospérité est l'œuvre du diable. Et le diable, à tous les niveaux, au plan spirituel, avec les gens venus de l'autre côté, avec les sacrifices humains, vont souiller notre nation, n'est-ce pas? Mais avant que ces personnes-là souillent notre nation, l'Église déjà était corrompue, parce que avant que ces personnes n'arrivent, il y avait une guerre dans le ciel. J'ai parlé de cela. J'ai dit que le Seigneur m'a dit que nous avons perdu la guerre spirituelle. Avant qu'il y ait la rébellion, il y avait une guerre spirituelle. Mais l'Église n'était pas assez prête. L'Église n'était pas assez forte. L'Église n'était pas, n'est-ce pas, en posture de pouvoir contrecarrer, n'est-ce pas, l'influence spirituelle qui venait. Alors, l'influence spirituelle de Satan, qui se levait, la croix de Satan, qui se levait contre l'Église, va vaincre l'Église exactement comme l'Égypte, exactement comme Babylone, exactement comme les Philistins avaient eu la capacité, la possibilité, les moyens de vaincre Israël, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu peut être vaincu. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Il faut savoir lire les prophéties. Il faut savoir lire la parole de Dieu. Il faut savoir faire de bonnes, n'est-ce pas, interprétations de la parole de Dieu. L'Église est l'image du peuple d'Israël. L'Église est l'image du peuple d'Israël. Et tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël arrive à l'Église. Je dis tout ce que le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, a vécu et a pu vivre, sachez que l'Église également peut vivre ces choses-là. Ce n'est pas forcément moi qui le dis, mais Jésus-Christ a dit que ce qui est arrivé au bois vert, qui est le bois vert? Israël est le bois vert. Ce qui est arrivé au bois vert, ou ce que Dieu a fait avec le bois vert, c'est ce que Dieu a fait au bois vert, pourquoi ne le ferait-il pas au bois sec que vous êtes? Qui était le bois vert? Le bois vert, c'est Israël. Qui était le bois sec? Le bois sec, c'est nous aujourd'hui. Et Jésus dit, crédit, que ce qui est arrivé au bois vert arrivera au bois sec.
que vous êtes. Alors, si Israël, le peuple de Dieu, peut perdre un combat, si Israël, le peuple de Dieu, peut perdre la guerre, peut perdre une bataille, l'Église est sur terre pour une bataille. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes des morts ne prévaudront point contre l'Église. Bien entendu, si cette Église-là est la lumière du monde dans tout son éclat, si cette Église-là est effectivement le sel de la terre. Alléluia. Du sang de Dieu.